BTP évoque sans détour la construction avec les élus des villes de France, cela donne des rencontres avec des maires en béton. Direction Levallois, cette ville des Hauts-de-Seine, limitrophe de Paris, est connue pour sa qualité de vie mais aussi pour être le siège de nombreuses grandes entreprises. Ancienne cité industrielle en déclin au début des années 80, Levallois est devenue en 20 ans une ville dynamique entre bureaux et commerces. Cette métamorphose est notamment le fruit de l'action de son député-maire emblématique Patrick Balkany, élu en 83. Il a œuvré pour la transformation de cette ville dont il nous parle avec passion. À Levallois, c'est une ville un peu atypique parce que c'est une toute petite ville qui fait 242 hectares, collée à Paris, entre le périphérique et la Seine. Et sur ces 242 hectares, il y a 62 500 habitants, 62 000 emplois et néanmoins 10% d'espaces verts et toutes les berges de la Seine qui sont un véritable cheminement de parcs avec des bateaux-logements. Et Levallois est une ville donc où il y a une véritable mixité d'abord sociale et une mixité entre les bureaux, entre les entreprises et entre les habitants. Monsieur Balkany, actuellement deux grands projets d'urbanisme sont en cours à Levallois, la ZAC Collange avec deux grandes tours dont vous avez le dessin dans votre bureau d'ailleurs, et la ZAC Eiffel. Pouvez-vous nous en parler ? Alors, vous savez, depuis 83, depuis que je suis maire, j'ai à l'époque repris une ville qui était une ville très industrielle. Seulement à la fermeture de l'usine Citroën, eh bien, il a fallu avoir une politique dynamique de reconstruction. C'est là qu'on a construit environ 1 million de mètres carrés avec la plus grande ZAC d'Europe qui était la ZAC du Front de Seine qui à elle seule faisait 750 000 mètres carrés où on a mis moitié logement, moitié bureau et bien entendu tous les équipements publics. Et aujourd'hui, les deux ZAC dont vous me parlez, la ZAC Collange, c'est la continuité du Front de Seine avec la construction de deux tours de bureaux qui seront à la place des anciens terrains Fiat et qui vont en fait remplacer les vieux bureaux des années 60 qui étaient derrière sur la rue Collange et qui va laisser la place à un grand parc avec des logements autour. Quant à la ZAC Eiffel, c'est une ZAC qui a été faite par mon maintenant lointain prédécesseur dans les années 60-70. Les logements sociaux ont d'ores et déjà été tous rénovés et maintenant nous allons carrément reconstruire le centre commercial pour en faire un centre commercial moderne avec un grand hypermarché souterrain avec par-dessus un énorme parc. C'est vrai que moi je fais beaucoup pour le bâtiment, on m'a même toujours reproché d'être un couleur de béton, mais j'ai réussi à garder son caractère de village à cette ville, malgré son développement sur des endroits bien précis. Justement, est-ce que vous pouvez nous dire de quelle construction vous êtes le plus fier ? Tous, vous savez, on fait très attention à la qualité, aux normes environnementales. C'est pour moi très important, pour vous donner d'ailleurs une petite idée. Il n'y a pas une seule chaudière ou cheminée sur tout le front de Seine. Il n'y a pas de fumée, car tout est chauffé par le retraitement des ordures ménagères et c'est chauffé par de la vapeur qui vient de l'usine de retraitement des ordures ménagères de Saint-Ouen. Est-ce que vous êtes déjà allé sur un chantier ? Si j'ai été sur un chantier, mais j'ai des casques de toutes les couleurs, des bottes et je vais bien entendu sur tous les chantiers. J'adore l'ambiance qu'il y a sur un chantier. J'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui travaillent sur les chantiers, qui sont de vrais professionnels qui aiment leur travail. Parce que vous savez, pour travailler dans le bâtiment, il faut aimer le bâtiment. Et ça fait très longtemps qu'on parle de la revalorisation du travail manuel. Je regrette qu'il n'y ait pas suffisamment de Français, de jeunes Français qui s'orientent vers les métiers du bâtiment et que malheureusement il y a encore trop de jeunes qui considèrent que ces métiers ne sont pas suffisamment nobles. Or ce sont aujourd'hui les métiers les mieux rémunérés car quand on cherche de véritables artisans du bâtiment pour les entreprises, je sais qu'elles ont beaucoup de mal. Concrètement, avez-vous des idées pour créer des vocations pour les métiers du bâtiment ? Alors, je pense que sur l'avenir, d'abord, la Fédération du BTP
devrait créer, à l'instar d'ailleurs de grandes sociétés, une véritable université du BTP. Je pense que la solution aujourd'hui, c'est d'avoir véritablement des vrais centres de formation où on rentre soit après son bac, soit en fin d'études secondaires, disons, et où on peut là apprendre tous les métiers, du plus petit au plus grand. Il y a un besoin très grand en France de logements, on le sait, il faudra construire des centaines de milliers de logements dans toute la France, mais il n'y aura pas que des logements, il va y avoir avec tous les équipements publics dont ont besoin toutes les villes en France. Avec 10% de son territoire consacré aux espaces verts, le Valois a le label de ville fleurie. Comment se fait l'entretien de tous ces jardins et qui s'en occupe ? Nos 80 jardiniers, bien sûr. Il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de faire ce métier de jardinier. Et ils me sont souvent recommandés par des maires de petits villages de province et qui me disent nous on n'a pas les moyens d'employer un tel ou un tel, mais j'ai tel jeune qui a fait le lycée horticole, qui est très bon, qui veut rentrer dans une ville. Et comme ils savent qu'à Levallois on est très attentif à l'ensemble des parcs et jardins, eh bien ils sont heureux de venir travailler chez nous et de pouvoir utiliser leurs connaissances et en apprendre d'autres et s'améliorer. Est-ce que d'ailleurs vous avez des problèmes pour recruter vos équipes ? J'ai la chance peut-être d'être une ville un peu connue où nous avons, je dois dire, plus de demandes que d'offres. Eh bien merci monsieur le maire. En conclusion, est-ce que vous avez un mot pour les professionnels du bâtiment ? Sur le bâtiment, on pourrait en parler très longtemps. En tout cas, j'espère que enfin nos jeunes seront de plus en plus attirés par ce qui est fait dans le bâtiment. Il n'y a pas que le gros œuvre en plus, il y a aussi toute la partie seconde œuvre qui est un véritable travail d'artiste. Et aujourd'hui, on sait combien il est difficile de trouver un bon couvreur, un bon plombier, un bon électricien. Eh bien, ça s'apprend à l'école, mais ça s'apprend surtout sur le tas.